Mesdames et messieurs, Nabzou, bienvenue sur Chanel Stand-up La Kaila, bienvenue sur Chanel Actualité. Alors, même qui sont nouveaux sur Chanel, like, pourquoi abonner avec chaîne ça, n'a pas de pour faire ça, qu'on y a gardé côté avec ma qui s'abonne, pour être sous-abonné déjà, et sous pour qu'on fait, cliquez sous l'i, abonner pour qu'à supporter Chanel ça, et sous qu'à copier le link, copier-li à la guilde des groupes WhatsApp, dans des groupes Facebook qui traitent les affaires, informations, non façon pour qu'à aider nous à avancer. Et bien, mesdames et messieurs, je dis ça là, qui c'est 21 mars 2023, nous venons avec, prenez cap fait actualité, et sans perdre du temps, n'a pas entré en dans information, entendez comment commissaire Miscardin a fait un travail qui sérieux pour la population, et non dit dans qu'on s'en a tourné encore. Avant ça, mesdames et messieurs, on nous touche et côté commissaire Miscardin, qui dans l'actualité également, nous avons extrait vidéo pour vous. Commissaire Muscadin qui frappait une fois de plus et Salomon. Nous allons inviter Mounio dans quelques secondes et tendez vidéo ça. Mais je ne vais pas donner plus de détails et sous arrestation ça. Commissaire Muscadin fait côté que nous voyons que c'est un monsieur avec madame ni également yon petit li. Et semble-t-il que, bon, Théo Tegrat a gagné alerte sous machine, non? Et puis nous connaissons que dans ni plan, pas penser que c'est n'importe monde qui est capable de venir comme ça. Et donc, et Salomon, par contre, souviens plus de détails avant que nous prenions vidéo. Amen. Et bien, ça, oui, Jimmy, nous connaissons le commissaire Muscadin, c'est un nègre. Et bien, si nous avons le commissaire Muscadin en d'un pays, au moins ça vient là, et bien, nous pensons que c'est capable d'aller mieux. Malheureusement, nous parlons de G3 Muscadin en d'un pays. Et bien, le commissaire Muscadin, vous avez capable de dire, c'est celle d'un chef qui a information lorsque le monde a sorti. Dans la question de la gang, la Cali, eh bien, il y a six machines qui vont direction de la partie-là, d'après information qui est venue du commissaire, c'est un bloc village, qui est sorti, il va aller au caille. Il y a un qui dit tout, c'est l'organe sorti, il y a une femme là-dedans qui est un madame bandit. Et puis, elle a déplacé en traînant, eh bien, il va jouer. En parlant des commissaires, et bien, yo, je mette mes souliers, zone pour des nègres, actuellement, là, pour une question responsable. Ça veut dire, encore une fois, commissaire Muscadin, nous, lui-même, en bon côté de parle, pendant un nègre à piafé dans la zone métropolitaine, lui-même, la vie en haut, la vie en bas, même sommeil, commissaire, pas de temps pour y dormir, ça veut dire, où est un nègre qui t'a vu, qui voulait passer au pays, mais malheureusement, je il va jouer les bois de l'autre nègre, si tu as vu dans ma belle, eh bien, n'a pas évité de regarder une extra vidéo côté commissaire Muscadin, lui-même qui a pour des plus précision, non micro, c'est mon affaire, bon sujet. Voilà, mesdames et messieurs, donc, n'a pas évité d'entendre extra ça à l'instant même, et puis, parler comme ça également, nous pour nous parler justement avec Stanley Luca, si tout bagaille correct par rapport à réseaux sociaux. Et puis, il y a possibilité aussi, nous toujours dit, dans le cadre émission Chanel Moun a fait bon TV, et si par hasard, gon bagaille qui gon déclaration que nous t'a fait, que peut-être qu'on pas trop apprécié, ou nous t'a passé en voice, ou t'a dit que, ou t'a pensé que qui pas fini à faire ça, ou t'a voulu comme si pour ton correction, eh bien, c'est ça que média toujours qui possibilité pour le baron, droit de réplique, nous t'a tant de voice, et dans la première édition, hein, côté que gon citoyen qui a acquisé un glot groupe, côté que ça semblait-il que dans la question port, dans la question douane, ça fait longtemps que le gain produit, le gain marchandise li, eh bien, plus de un an, ça veut dire que mes marchandises, ça vous pouvez vous que j'en ai voilà. Nous t'es passé vos sang pour vous. Mais plus tard, nous pour nous, possiblement, faire une réplique. Côté que, justement, pour nous, parler avec les citoyens, ça également, qui va faire une réplique là. Mais avant ça, permettre que nous passer, commissaire Muscadin pour vous, à l'instant même. Le samedi, nous t'es informé que la machine s'est associée au Gal. Le chargé pour les bas, nous avons une plaque là, nous avons une couleur machine là, nous avons une information sur le net, sur M. Damien Dalio. Et puisque moi, je suis du coup qui est du Forêt Blanc, nous avons mené l'opération. Nous avons mené après ça, nous avons allé avec la police. Pour que le barré Saint-Michel, le barré Forêt Nègre, le barré Bequin, pour que nous prenions le barré. Finalement, nous avons traversé Bordeaux, nous avons traversé Saint-Michel, et nous avons arrêté du coup qui est du Forêt Nègre. Donc, pour le président là, M. Damien est en prison et ma machine là, ma perquisition de machine là pour le salaire dans le dos. Next, ça va être un principe de groupe gang qui a opéré dans le bloc de l'organe, si quoi, non quoi. Et bon, chasse pour les gars, c'est la police qui a décepté, nous sommes sur place, nous sommes du côté de Follet Blanc.
pour se multiplier, il y a plus de l'organe, il y a pour aller mettre habiter au cœur du côté de l'extérieur. Ça le dit là. Ok, ça le dit. Il y a plus de l'organe, il va amener madame, il y a plus de à l'habiter au cœur dans l'extérieur. Ça le dit. Vous rejoignez un lien? Non, nous ne pouvons pas rejoindre, mais surtout, pour nous, il y a l'organe. Il y a une information sur monsieur, SDPJ de l'organe. Il y a une information sur monsieur, et l'ICPJ pour le presse. Il y a une information sur l'extérieur. Qui l'a signé? Non. Avec des mesdames. Madame moi des oui. Madame moi c'est un oh. La vie a réponse à dire. Ça a compris. Mais on fait que nous connaissons des magistrats. Nous devons juste à tout le monde à faire le barret. Nous avons un café chez la vie, nous faisons des carrières, nous sommes connectés. Je prends mon appel, je dépose 3000 dollars. Quoi que ça n'est pas dans les machines, nous disons tout pas dans le compte des machines encore. Je fais cette activité, je sais que vous voyez deux doubles dans moi, qui ont encore une vieille bagaille, tout respirer, tout sentir. Voilà, et mesdames, messieurs, voilà, et notre appel des commissaires, justement. Une fois de plus, nous félicitons pour le travail là. Et puis, soit côté nègre ici, nègre Haïti, surtout. Et là, il a arrêté au conseil, on t'a dit tout innocent. On t'a dit tout innocent, mesdames, messieurs. Et c'est la raison ça qui fait que nous, le commissaire Miskade, pas non, je vais être avec vous. Mais permettre que, mesdames, messieurs, moi, parler avec le commissaire Stanley Luca et le commissaire Le Cowboy. Je vais saluer le commissaire ça et monsieur Valin, je vais tout, son autre garçon voyant qui travaille pour le pays. Et je vais saluer ce frère par nous, Stanley Luca, comment vous êtes? Alors, je suis spécialiste en développement politique, je suis commissaire. Bonjour, vous avez adoré tout chapeau parce que vous êtes un monde qui tout le monde apprécie en pile, surtout la diaspora haïtienne. Nous aurons un travail à faire pour la communauté. Vous avez apprécié ça. Et nous avons gardé pour nous, mesdames et messieurs, pas de semaine, pas de week-end. Et Stanley lui-même, lui là. Et il y a une série de dossiers, il faut commander à une série de monde qui ont connaissance là-dedans. Donc, Stanley, une fois de plus, nous remercions sincèrement pour l'amour, pour l'engagement à l'égard des pays. Sandy, tout d'abord, week-end, là, comment well, nous avons malheureusement pile l'autre nouveau cas de kidnapping. Et comment est-ce que ça va côté pour vous? Ou car vous avez une question, moi, si vous non, nous, pour week-end, là, comment est-ce que vous avez par rapport à Haïti, nous avons malheureusement pile en malgré tout ça, nous avons en pile contre cas de kidnapping, insécurité toujours là. Comment vous comprenez ça, Sandy? Bon, là, pas gagné de nouveau. Ça veut dire que mon cap dirige l'État yo, depuis 20 mois et yo fait un choix politique côté c'est avec deux outils que y a dirigé l'État. Premier outil c'est ça nous relé la gestion des gangs. Ça veut dire que autorité l'État impliqué dans gang yo y a collaboré, y a travaillé gang yo et c'est avec gang yo que gérer population hein. Avec insécurité à que gère population et deuxième outil de gestion que utiliser c'est ça relais et la répression économique à travers la vie chère. Ça veut dire que bon collaboration entre autorités civiles qui dans l'état c'est oligarque qui mettait et puis oligarque qui vient monopole tout manger qu'a vendre dans pays à l'huile farine sucre ça peut la consommer, même gaz, c'est des monopoles. Donc, à travers la vie chère, bon, répression économique, qui sont mode de gestion politique, tout. Donc, ça, avec deux bagailles, ça arrive. Donc, faut pas étonner que gang nous continue à opérer. Oui, malheureusement, faut que nous va étonner nous. Stanley, malheureusement, nous n'avons pas de chance, ils font parler sous ça. Nous, que Ariel, finalement, après que nous, communauté internationale, là, nous, nous-mêmes qui dans la diaspora, nous, tout qui a dit, et, ou même spécialement qui t'a dit que faut que c'est force l'armée d'Haïti, et avec la police qui t'a dû prendre responsabilité, yo. Mais nous, finalement, après plusieurs humiliations, ils décidaient enfin, et embarquer avec l'armée, hein. Comment on doit comprendre ça, Stanley, frère? Décision ça, et, pour qu'à comprendre, pour faire, à la fois une analyse historique de sa crise de l'armée et il faut faire une analyse conjoncturelle. Dans l'analyse historique, on va dire que monsieur qui est au pouvoir, c'est eux qui ont créé le mouvement de soldats pour aider Aristide à craser l'armée. Okay.
depuis Aristide Simkazé la mais en 1995, chaque fois dans la société, on parle de reconstruction de l'armée, je fais des blocages institutionnels et des blocages au niveau de l'opinion publique pour que l'armée n'ait pas de bâti. Et sinon, arrêté le président Jovenel Moïse Vinpran le 16 novembre 2017. Le président Jovenel Moïse constate trois menaces que le pays a fait face à lui-même. Menace gangio et menace montée hégémonique de la République dominicaine avec une minorité raciste de 5% qui carrément mais font l'autre génocide sous nous-mêmes, j'ai été fait en 1937 côté où tout y est 30 000 haïtiens. Et en même temps, menace des désastre naturel, résident Jovenel décide que la bâtie la mer. Donc, sinon, dans le cadre de la défense des intérêts nationaux d'Haïti, le président a arrêté en 16 novembre 2017 pour bâtir la mer. Une année plus tard, en octobre 2018, nous voyons que le président a gagné raison. Parce que les tremblements de terre fait dans la Tibonite et dans le nord-ouest, quoi ça, c'est pas l'armée blanc qu'allait des mondes pays d'Haïti qui était affecté par le tremblement de terre. C'était l'armée d'Haïti qui était déplacée dans la Tibonite et dans le nord-ouest à l'aider après le tremblement de terre. Mais pendant que le président a bâti l'armée, il était fait face à trois mouvements de sabotage. Premier mouvement de sabotage là, c'est ça l'opposition institutionnelle hein, qui a collaboré dans le Parlement avec SDP. Ils fait tout ça au capable de ne pas jamais bâtir l'armée à budget pour rendre possible bâtir l'armée pour que l'armée atterrit sous papier. Et même si tu es un bouillon qui t'est formé, mon côté est à le craser depuis devant. Malgré opposition institutionnelle, le président avancé a bâti la mer. Et deuxième bagage que nous avons fait, nous avons laissé rentrer, infiltrer le pouvoir exécutif sous président à même réseau politique qui a écrasé la mer en 1995, pour garder si on a un contrôle du ministère de la Défense pour ralentir bâti la mer, si on n'a pas ralenti pour prendre le contrôle. Troisième mouvement qui a fait à l'époque, où l'armée a pris forme vraie en février 2020, c'est une manifestation pays loc dans la rue. Dimitri Vob, André Michel, Sergi, avec on écrit les Blaise Roberto, il y a là un tweet pendant manifestation faite dans la rue Port-au-Prince. Côté sous tweet là, monsieur dit que soldat qui l'a prouvé quartier général là, mais vous faites tirer ou tuer plusieurs policiers et des policiers qui tombaient. Donc si je pas voué renfort rapide avec les unités spécialisées, mais là mais a tué tous les policiers. Qui à l'époque pas de monde dans le gouvernement qui montait sur les réseaux sociaux pour dire que tout ça c'est menti, c'est fabrication, pas de sa pièce. Joue ça. Sans en pile policier avec soldats l'armée d'Haïti qui a coulé et n'est pas le servir à ça pour craser l'armée. Donc, au niveau historique, il faut qu'on réalise ça. Au niveau conjoncturel, pour montrer que n'est pas de jambes dans l'armée, non seulement n'est pendant 20 mois, n'est pas de l'armée tout équipement malgré déclaration, bon colonel l'armée a quitté fait depuis le jeune blindé, le jeune hélicoptère. La phrase est gagnée, mais je ne vais jamais répondre à sa colonel là, je dis, mais je député à le conseil des ministres, côté au point de décision pour demander intervention militaire, occupation militaire étrangère. Et pour montrer que, dans quel exil, dans tête, dans émotion, dans comportement politique, je ne parle pas de l'état régalien, on l'état régalien qui faut. Pour montrer clairement, mode de pensée nèg sa yo qui raille on l'état fort qui ca descend peuple là
juste à regarder le premier conseil des ministres Ariel Henry, on paye côté soldat Colombie, dans le complot annex à infiltré, entré dans le pays, nous vint tuer le président nous. L'on bagaille fini comme ça, fin arrivé. N'importe qui responsable politique, pour avoir nécessité, faut gagner intelligence, faut gagner l'armée, faut gagner la police.